Bonjour à toutes et à tous, alors que l'on reçoit de nouvelles informations concernant l'évolution de la McLaren, je suis ravi de vous retrouver dans l'enceinte du circuit de Silverstone, cette ancienne base aérienne, pour découvrir ensemble eh bien, l'histoire de ce Grand Prix d'Angleterre dans cette saison 2017. J'espère que vous allez bien. Au programme du jour, donc, une nouvelle amélioration du poids du châssis pour la structure McLaren, de quoi donc aider à garder l'avantage face aux Mercedes et surtout aux Ferrari qui reviennent très très fort. C'est l'occasion aussi de notifier que nous sommes désormais dans la deuxième moitié de saison 2017 de Formule 1. On part tout de suite sur la piste pour découvrir les essais libres. En ce vendredi matin, le soleil règne et la bonne ambiance dans le paddock. Vous voyez que du côté des différents pilotes, on est plutôt détendu. Ça fait longtemps que l'on n'a pas retrouvé un paddock de Formule 1 aussi serein. Avec par contre quelques stress pour différentes équipes. On va l'évoquer dans quelques instants, notamment cette équipe Sauber qui est sur la sellette, tout comme l'équipe Manor. Nous sommes à peine au cap de la mi-saison et certains sont déjà en proie au doute, mais on ne perd pas un seul instant, on embarque avec la McLaren Honda de Stoffel Vandoorne. On se retrouve sur l'arceau du bolide orange qui, je le rappelle, mène les débats au classement constructeur devant Mercedes et Ferrari. Red Bull tente de se remettre d'un début de saison difficile avec, on l'a vu, beaucoup de casse moteur, beaucoup de difficultés. Et malheureusement pour eux, c'est toujours tombé sur l'un puis l'autre pilote, que ce soit Verstappen ou Ricciardo. Les deux pilotes de la structure britannique ont eu du mal de ramener des points de manière constante dans cette première moitié de saison. Et donc il est temps de se reprendre du côté des hommes de Helmut Marko. On retrouve évidemment le circuit de Silverstone avec ses vibreurs noirs et blancs qui ont fait polémique, effectivement, la repeinte noire et blanche de ces vibreurs. Certains pilotes ont dit qu'on les voyait pas très bien au loin et que ça pouvait gêner la prise de repère de certains d'entre eux. Mais ce sont surtout des pilotes de bas de tableau qui ont évoqué cela. Les pilotes de premier rang n'ont pas évoqué ce problème en conférence de presse, pensant que c'était la même chose pour eux, ça n'avait absolument aucune incidence. Je rappelle que pour ce week-end, les pneus alloués sont les pneus hard à bande orange, les pneus médium à bande blanche et les pneus soft à bande jaune. Évidemment, vous retrouverez aussi les pneus intermédiaires à bande verte et les pneus pluie à bande bleue. Un petit loupé du côté du grand droit de Sto pour notre ami Stoffel Vandoorne qui va compléter ce tour de découverte malgré tout dans le vert ici à Silverstone avec cette dernière chicane qui risque d'être l'un des points où l'on verra pas mal de dépassements dimanche lors du Grand Prix. On va terminer cette séance d'essai libre 1. Et on est plutôt satisfait du côté de Stoffel Vandoorne. C'est la Ferrari du Finlandais Kimi Raikkonen qui termine devant la Mercedes de Valtteri Bottas, chaussée en pneus médium pour la plupart des pilotes. Cette première séance du vendredi matin a servi à régler la voiture pour les longs runs. On a donc cramé de la gomme, si vous me passez l'expression, surtout de la gomme médium et de la gomme hard. La deuxième séance, celle du vendredi après-midi, vient de débuter et on retrouve évidemment le soleil qui devrait d'ailleurs nous accompagner pour l'ensemble du week-end. À une exception près, c'est que pour la partie importante demain, la qualification, on risquerait d'avoir des gouttes qui viendraient chambouler la hiérarchie. On ne va pas vous en dévoiler plus pour le moment, on va attendre d'être à ce moment-là dans le week-end de Silverstone pour vous en parler. Mais c'est une chose, un paramètre à prendre en compte pour les pilotes. Nous sommes donc dans le moment le plus important, la recherche et le développement des pneumatiques, une évolution qui ramène énormément de points, ce qui pourrait permettre à McLaren d'arriver au terme de ses recherches au niveau du Grand Prix de Belgique, par exemple, en tout cas à Monza. L'objectif est d'avoir une ultime évolution moteur qui est actuellement à 1800 unités de points de recherche pour l'équipe britannique. Donc on va faire un point à l'issue de ce Grand Prix d'Angleterre pour voir où ils en sont du côté de chez McLaren. Ok Jeff, I keep going. Et du côté de Vandoorne, on confirme donc que la voiture se comporte bien et on continue ses recherches. Et au terme de cette séance, vous allez voir qu'à part un tour où le rouge a été pointé
ça n'a pas été un gros souci de compléter cette étape de la recherche pour l'équipe. McLaren, on va quand même terminer le tour avec Stoffel Vandoorne pour constater également que l'équipe a corrigé un gros problème qu'elle avait, et ce depuis le début de la saison 2015, la tenue des pneumatiques dures sur cette McLaren. Désormais, la voiture supporte beaucoup mieux les pneus médiums. Alors les pneus hard, c'est encore différent, mais les pneus médiums sont désormais un atout du côté de McLaren et non plus un handicap comme c'était le cas encore l'année dernière. On se rappelle, des grands prix comme Baku où il fallait chausser des gommes plus dures étaient un calvaire à l'époque pour Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne. Au passage, il y a une petite rumeur qui court dans le paddock et elle est assez intéressante, c'est que deux équipes auraient fourni un contrat à Stoffel Vandoorne après le clash, on va l'appeler comme ça, en tout cas l'accrochage qui n'a pas été commenté ni par l'équipe ni par les pilotes ici à leur arrivée, puisqu'on rappelle que c'est un Grand Prix à domicile pour l'équipe McLaren. On a quand même eu droit à des pilotes qui nous ont dit on ne peut pas parler de cela. Donc il y a réellement une tension chez McLaren et il paraît que Red Bull aurait déposé un contrat, notamment Red Bull et... I think we have to use our track time now because tomorrow morning the rain will be there, so we have to work for the qualify now. Et du côté de Vandoorne, on constate qu'il y aura de la pluie demain, donc on préfère continuer les recherches lors de cette séance d'essai libre 2 de ce vendredi après-midi. Je termine mon explication. Il y a donc deux équipes qui ont fourni un contrat pour cette deuxième moitié de saison à Stoffel Vandoorne, qui les a refusés. Red Bull s'est présenté ainsi que Williams, puisque, on le sait, Red Bull pourrait l'année prochaine être motorisé non plus par Renault, mais par un nouveau motoriste qui a également émis sa volonté d'arriver en Formule 1. Vous le savez déjà, un partenariat existe entre les deux équipes. Il s'agit d'Aston Martin, l'un des principaux actionnaires de l'équipe Red Bull. Donc on va suivre tout cela à l'œil, mais il y aurait quelque chose qui se tramerait dans les paddocks de Silverstone en ce moment. Et on sait que la Silly Season, vous le savez, la saison folle, débute généralement à la fin de l'été. Une fois le Grand Prix d'Allemagne, de Hongrie et souvent de Belgique terminé, eh bien les équipes aiment bien lancer des rumeurs folles sur qui ira où. Rappelez-vous, l'année dernière, on a eu droit à cela avec Nico Hülkenberg, avec Felipe Nasser, avec Stoffel Vandoorne lui-même, qui s'était vu offrir un contrat par Ferrari à Abu Dhabi. Ça a été confirmé par Maurizio Arriva Bene, par Sergio Marchionne également, le grand patron de Ferrari, et surtout par Stoffel Vandoorne lui-même, qui a dit « J'ai un contrat de 2 ans avec McLaren, mon but est de devenir champion du monde avec eux, nous avons une voiture l'année prochaine qui va me le permettre, je ne peux pas quitter le navire ». Et on sent que cette philosophie va peut-être changer si les conditions se détériorent encore face à Fernando Alonso. Alors nous, qui sommes neutres, évidemment, on espère que ça ne va pas être le cas. En tout cas, on a hâte de voir comment cette deuxième moitié de saison va se dérouler. À l'issue de cette séance d'essai libre 2, c'est Stoffel Vandoorne qui s'est pour une fois montré le plus rapide de ses petits et camarades. Troisième séance d'essai libre le samedi matin, la toute dernière qui généralement permet aux équipes de préparer la séance qualificative. Et bien ici, il aura fallu travailler le vendredi, sinon c'est trop tard. La piste est détrempée, ce sont des conditions qu'on ne risque d'avoir que très peu lors de la Q2 ou Q3 de cet après-midi, puisque la séance qualificative s'annonce aussi assez houleuse. Et regardez ce qui s'est passé, Stoffel Vandoorne est sorti de la piste à la sortie de l'enchaînement Magots, Beckett et Chapelle. On écoute le Belge à la radio sur ce qui s'est passé. I'm off, I'm just off, I lost the car on the Hangar Straight, sorry Jeff. Et on peut sentir toute la retenue du choc dans la respiration du Belge qui heureusement est indemne. Et la McLaren a juste souffert d'un fond plat abîmé et d'un museau endommagé, mais il n'a pu la ramener. Vous avez découvert le classement final de cette troisième séance d'essai libre. Les objectifs de Stoffel Vandoorne malgré ce souci sont clairs. Terminé évidemment devant Fernando Alonso, son éternel rival. Samedi après-midi, séance qualificative ici sur le circuit de Silverstone et au programme des nuages, vous le voyez, ainsi qu'une pluie faible. Alors on va découvrir tout cela dans quelques instants puisque vous le savez, il y avait hier et encore ce matin des menaces de pluie qui ont été annoncées par l'antenne météo du circuit de Silverstone. Du côté des équipes, on était plutôt serein et finalement la pluie est arrivée plus vite que prévu avec le vent très intense ici et regardez les conditions de piste. Okay, Jeff, is it enough to reach Q2?
Et on se retrouve donc avec des voitures sur de la glace, sur des œufs littéralement, puisqu'on n'a pas pu régler les voitures. Et je rappelle qu'on a dû partir avec les setups de conditions de parc fermé, c'est-à-dire que peu de setups peuvent encore être modifiés sur la voiture. Donc on roule de manière très délicate et on risque d'avoir des surprises à l'issue de cette première séance d'essai qualificative, cette Q1. On a entendu à la radio dans quelques minutes la réaction de Stoffel Vandoorne à la fin de la qualif, mais en attendant, la première chose que l'on a eu droit de la part de son ingénieur, c'est « tu es sixième » et Vandoorne a répondu « est-ce que cela suffit pour passer en Q2 ?» Et on ne sait pas parce que la piste évolue tellement. Il y a eu une accalmie il y a quelques minutes et maintenant, vous le voyez, ça redouble. Donc on a Raikkonen qui pour l'instant est en tête, mais regardez, on retrouve Felipe Massa 7e, Hülkenberg 9e avec la Renault. C'est vraiment une loterie, cette première séance d'essai libre. Et regardez, ça sort très très large du côté de Kops pour Stoffel Vandoorne. Et donc les voitures qui vont se retrouver avec un pilote dehors ou deux pilotes dehors pourraient le payer très cher demain lors de la grille de départ. On va découvrir justement les conditions mixtes. On espère que la pluie va pouvoir se calmer histoire d'avoir une Q3 disputée avec des pilotes à fond. Ici, on a plutôt des pilotes sur la réserve. Vous le voyez, deuxième secteur dans le mauve pour Stoffel Vandoorne, 3 dixièmes de mieux pour le Courtraisien qui est là d'ailleurs en train de revenir sur une autre voiture qui va peut-être même le gêner. On le voit beaucoup plus rapide que la monoplace qui est devant lui, qui si je ne dis pas de bêtises est une Williams, sans doute celle de Lance Stroll, le pilote canadien qui a également pas mal de difficultés dans ce début de saison. Et c'est en 1.45.297 que Stoffel Vandoorne se place provisoirement en haut de la feuille des temps. Et au final, regardez, on a quasiment une feuille vierge, comme si la séance avait été annulée, puisque toutes les équipes sont passées par deux. On a les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux Mercedes, les deux McLaren, etc. etc. Séance d'essai libre terminée. On n'a pas pu travailler sur les conditions de pluie, mais malgré tout, vous voyez qu'on peut adapter la voiture aux conditions de piste. Et la Q2, fin de Q2, regardez, il reste 3 minutes à peu près au chrono de cette deuxième séance. Stoffel Vandoorne est le tout premier à monter en piste avec les pneus médium. Il a dit « je tenterai le tout pour le tout », il l'a fait. Il va prendre d'énormes risques pour essayer de rentrer le meilleur chrono possible alors que les autres sont encore en train de s'exercer, en tout cas de prendre la piste en pneus intermédiaires. On devrait donc avoir une différence de rythme entre les deux. La piste n'est pas tout à fait sèche, n'est pas tout à fait mouillée, donc c'est vraiment entre chien et loup. On va voir dans le fond de l'image, vous découvrez l'autre McLaren, celle de Fernando Alonso, le deuxième pilote actuellement au championnat, on le rappelle, avec 123 points derrière Stoffel Vandoorne. Et ces deux-là, eh bien, vont continuer à se battre. On est dans le droit de Kops, ça passe de nouveau très très large pour Stoffel Vandoorne sur l'AstroTurf, cette herbe synthétique qui désormais entoure les vibreurs. Regardez la retenue, je vous laisse également écouter l'accélérateur et la gestion du pilote belge sur la fin de ce tour ici en Q2. I'm losing power on the straight, Jeff. Et vous avez entendu le message du pilote belge à son ingénieur, je perds de la puissance dans les lignes droites, la McLaren a un souci, c'est ce que Vandoorne a dit à la radio, alors que son équipier s'empare de la pole, Vandoorne le bat en 1.39.5, mais avec les pneus médiums. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière lui, beaucoup de gens sont également passés en pneus soft et en pneus médiums, et le résultat, le voici, Stoffel Vandoorne est bouté en dehors de la Q3, c'est une catastrophe, c'est Vettel qui a été le plus rapide. Quelques surprises tout de même, une Sauber et les deux Renault sont passés par les mailles du filet. On se retrouve tout de suite pour vivre la course ici à Silverstone. Et comme si la météo n'était pas assez perturbatrice ce week-end, ce sont les nuages qui attendent les pilotes pour ce jour de course le dimanche 14h, extinction des feux dans quelques instants. Ici sur cette ancienne base militaire, vous découvrez cette piste aux 18 virages et aux deux zones de DRS, un record toujours détenu par l'Australien Mark Webber, désormais un de nos collègues pour la Channel 4, la chaîne britannique qui diffuse la Formule 1. Découvrez également les pneus alloués pour ce week-end, les softs, les médiums, les hards, les intermédiaires. Et les pneus pluie, la course n'est pas déclarée comme humide, on ne va donc pas devoir passer
on va devoir passer deux trains de pneus secs différents, de compositions de gomme différentes. Vous voyez ici Valtteri Bottas qui a signé donc une pole position assez inattendue. On s'attendait à retrouver l'une, voire les deux McLaren devant. Ça n'est pas le cas. L'objectif du jour pour Stoffel Vandoorne est de terminer dans le top 5 et surtout d'aller chercher Fernando Alonso, son coéquipier. Découvrons ensemble la grille de départ de cette nouvelle manche du championnat du monde 2017 avec, vous le voyez, la performance incroyable, 3e et 4e place pour les Williams, aussi bien pour les Renault, 7 et 8e avec Palmer et Hülkenberg. 9e place pour Pascal Wehrlein qui fait quasiment la qualification de sa saison. Regardez derrière qui nous avons perdu en Q2, Hamilton, Verstappen, Ricardo, ce sont tous des gens qui ont l'habitude de se retrouver généralement en Q3 et qui n'ont pas pu passer pour des raisons de météo. Derrière, on retrouvera quand même une 21e place pour Romain Grosjean. C'est un petit peu décevant de la part du pilote Haas. I hope yesterday's problem are gone now. I'm warming up the car and I'm give you a feedback in a few minutes. Vous l'entendez à la radio, Stoffel Vandoorne qui espère une seule chose, c'est que les chats noirs qui s'étaient installés dans sa voiture depuis le début du week-end aient pu trouver une sortie et parmi un trou dans la coque en carbone puisque il partira 11e et il aura fort à faire s'il veut atteindre l'objectif fixé par lui-même et son ingénieur, la 5e position. Il s'est dit que il pouvait sauver les meubles à ce point-là et voir mieux si la météo venait s'en mêler. Et en parlant de météo, vous le voyez, le ciel n'a jamais été aussi gris du week-end. On va voir si ça va tenir ou si les cumulus vont craquer avant le dernier tour et surtout l'abaissement du drapeau à Damier. On continue ce tour de formation. Vous voyez donc Stoffel Vandoorne qui partira 11e. Ça n'est pas la seule déception du jour. Kimi Raikkonen 12e, 13e place pour Lewis Hamilton, 14e place pour Daniel Ricciardo et la 15e pour Max Verstappen. C'est une petite catastrophe. Devant, certains ont pu en profiter. On notera tout de même les deux Renault en Q3. C'est la première fois cette année que l'équipe et l'usine française parvient à y mettre ses deux monoplaces, celles de Palmer et d'Hülkenberg. Ils sont actuellement quand même placé à de belles 7 et 8e place. Et surtout, l'équipe qui a fait un bond en avant inespéré alors qu'elle est devant son public, c'est l'écurie Williams avec les voitures de Felipe Massa et de Lance Stroll qui se sont retrouvés au 3e et 4e rang. Assez incroyable. Alors que les premières voitures viennent rejoindre leur emplacement sur la grille de départ, nous allons assister à un Grand Prix de Silverstone sous extrême tension. Certains n'ont plus droit à l'erreur, que ce soit Fernando Alonso qui doit l'emporter aujourd'hui s'il veut garder ses chances de rester au contact de Stoffel Vandoorne et ceux qui ont une très grosse carte à jouer, les Renault, les Williams et les leaders qui sont un petit peu plus loin. La grille se forme dans quelques instants, le départ du Grand Prix d'Angleterre. Ok, car is ok, car and engine are ok. Les voitures sont formées, les 5 feux vont s'allumer dans quelques instants, le départ du Grand Prix de Silverstone. Et c'est parti, on roule en Angleterre avec un mauvais envol de Valtteri Bottas. Est-ce que Felipe Massa peut en profiter? Il hésite à gauche, à droite, le Brésilien. Et finalement, c'est le Finlandais qui va virer à droite en tête dans le premier S de ce circuit. Attention derrière à ne pas trop se chamailler. Bel envol général, attention, puisque Sébastien Vettel se fait un petit peu reprendre par les deux Williams. Et c'est désormais un boulevard qu'il y a entre eux, la Mercedes du Finlandais et la Ferrari de l'Allemand qui a dû contenir les deux Williams. Alonso déjà à la chasse pour peut-être remonter, tout comme son équipier. On n'a pas vu le départ proprement dit de Stoffel Vandoorne. J'espère qu'on reverra d'ailleurs les images du départ de différents points de vue parce qu'il y a quelques morceaux de carbone. Vous ne le voyez pas, mais il y a des commissaires qui sont en train de courir devant nous pour aller chercher l'un ou l'autre morceau d'aileron qui sont restés sur la trajectoire. Ils sont désormais devant l'ancienne ligne droite de départ arrivée de cette piste de Silverstone. Attention, Vandoorne derrière qui est déjà très très chaud pour aller chercher les deux Renault, alors qu'on est toujours à l'image avec la voiture de Fernando Alonso qui doit absolument
effacer les deux machines de Claire Williams juste devant lui. Voilà, nous sommes à bord de la voiture de l'Espagnol. Ils vont arriver pour la première fois dans la Hangar Straight, la ligne droite des hangars avant le passage de Stowe. Pas encore de DRS, je le rappelle, mais c'est d'abord eh bien, l'équipier de Lance Stroll qui va en faire les frais. Et est-ce qu'Alonso peut passer ? Le pilote canadien est deuxième et l'Espagnol s'est faufilé. Et je pense même que la Toro Rosso derrière pourrait également aussi gagner une position. On va voir cela dans quelques instants. Ah, l'image malheureusement ne nous permet pas de suivre la lutte avec Massa. Et non, Massa est bien resté devant son équipe. Et on revoit ce qui s'est passé au premier virage. Ah oui, on était à 4 de front avec les deux As. Et bien voilà, on ne s'est pas posé de questions. Et ça a été très très chaud avec Grosjean, Magnussen et ses petits camarades, dont notamment, je crois, la Sauber de Pascal Wehrlein. Premier tour couvert, on est dans la deuxième boucle ici à Silverstone et on considère toujours un bon départ du côté de Vendôme qui va aller attaquer la voiture de Julian Palmer. Il a déjà effacé la première Renault, celle de Nico Hülkenberg, et c'est un dépassement d'école pour le pilote belge. On retrouve la voiture de Palmer en caméra embarquée ici qui va peut-être tenter sa chance pour revenir, mais malheureusement, il n'y a pas la place à la réaccélération et c'est à l'avantage du Belge. Attention parce que Palmer a peut-être perdu du temps devant Fernando Alonso qui va attaquer. Et c'est passé tout comme pour la Toro Rosso. Alors que là, on a un Palmer qui est en train de bouchonner légèrement. Son équipier va lui faire l'extérieur. Est-ce que Hülkenberg peut compléter le dépassement? Ça n'est pas sûr. Et non, évidemment, la trajectoire est à l'avantage du jeune Britannique qui va donc compléter nouveau tour, je pense, devant son équipier. Mais c'est maintenant au tour d'Esteban Gutiérrez, le Mexicain, de se montrer menaçant dans les rétroviseurs de la deuxième Renault. Van Dorn qui va mettre deux roues dans l'herbe, attention à l'entame de Magots, Beckett et Chappell. Ça a été un moment très très chaud. Alors est-ce qu'il s'est vu passer alors qu'il n'y avait pas la place? C'est pas impossible. Alors qu'on disait avant donc que ça pourrait rester sec, l'attaque du Belge sur le vétéran brésilien. Et c'est fait, nouvelle position de gagner pour la McLaren qui est clairement au-dessus de la Williams. On remonte sur le tableau avec eh bien, la lutte pour la deuxième position qui oppose Fernando Alonso qui s'est débarrassé de Sébastien Vettel qui avait pris pourtant un bon envol. Mais regardez le gap entre Bottas en tête de votre image, suivi d'Alonso, Vettel, mais c'est derrière Stroll qui se présente, vous ne rêvez pas. Le Canadien qui pour l'instant résiste plutôt pas mal. Alors je ne sais pas qui est la Toro Rosso, je crois que c'est Carlos Sainz, mais c'est à vérifier. Peut-être est-ce également Daniel Viat. On embarque désormais avec le français Esteban Ocon pour revivre le départ de ce Grand Prix de Silverstone à bord de la Force India. Et ça a été, vous le voyez, extrêmement serré. Et ouais, le français qui n'est pas content ne lui a pas laissé énormément de place. C'était Daniil Gviat qui était là à sa droite. Et de nouveau un contact entre le français et le russe. Ah oui, là ça a été très très viril, mais c'est resté heureusement correct. Je pense d'ailleurs que le morceau d'aileron que le commissaire est allé chercher appartenait à Ocon. Pascal Wehrlein maintenant, le pilote allemand et sa Sauber. Regardez les Renault devant qui protègent immédiatement. Sur la droite, on devrait voir sur la gauche, voilà Van Dorn. Ah oui, non, voilà Pascal Wehrlein qui s'est fait pousser par la Ferrari de Kimi Raikkonen. C'est donc bien du côté de Raikkonen que l'on a perdu un morceau d'aileron. On va revoir le départ depuis la monoplace italienne du pilote finlandais. Regardez, très bon envol de Raikkonen qui se porte même à la hauteur, voilà, de Wehrlein. Mais à l'intérieur, eh bien, on ne s'est pas compris. Et regardez tout de suite les stigmates sur le ponton droit de cette Sauber. Et est-ce que Raikkonen va pouvoir passer? Oui, il a su tout de même... Ah non, quoique, peut-être que ça va résister. Non, c'est passé pour le Finlandais. En tout cas, un départ qui aura été un petit peu pris dans la bousculade. Alors qu'on revient au direct avec un arrêt pour la Manor d'Esteban Gutiérrez ainsi que pour la Sauber de Marcus Ericsson. Quelle est l'option stratégique de ces deux équipes de milieu de tableau? Alors que l'on doit, oui, changer le museau sur la voiture de Gutiérrez. Et je crois que la même manœuvre est en train d'être opérée du côté de la Sauber puisqu'on a perdu énormément de temps et ça repart. Et d'ailleurs on a été plus rapide pour changer de museau du côté des mécaniciens de Monisha Kaltenborn. On est en replay, que se passe-t-il avec Daniil Gviat? Oh, qui est allé percuter la Mercedes de Lewis Hamilton. Il revient sur la piste et il prend d'ailleurs la deuxième Sauber. Voilà pourquoi il fallait rentrer au box pour Marcus Ericsson. Et va-t-on avoir une safety car avec Romain Grosjean? Ah oui, Gviat qui la perd. Et Marcus Ericsson, voilà, qui voit, ah oui, revenir devant lui
le pilote russe. Il n'y avait absolument aucune solution pour passer. Et derrière, ça a dû taper. Oui, on voit encore des débris dans le droit de Kops. Revoyons l'image en vue télévisée. Que s'est-il passé? Eh oui, Gviat un peu trop optimiste. Et il touche d'abord l'une des As avant de se faire heurter par... Eh bien, oh là là, oui, ça semait la zizanie. Effectivement, derrière, on voit que Gutiérrez est allé percuter le diffuseur de la Sauber. Retour au direct, puisque Alonso s'attaque à Valtteri Bottas et il passe par l'extérieur du droit de Stowe. Belle manœuvre du pilote espagnol qui s'empare donc des rênes de ce Grand Prix d'Angleterre. Belle manœuvre de la part du pilote McLaren. Premier tour couvert donc avec Alonso en tête. Voilà, premier tour en tête du pilote espagnol. Jeff, with this pace, is it a realistic objective to be on the podium at the end? Alors de Van Dorn, on retiendra la volonté de faire un top 5. Pour l'instant, il y est, mais il en veut un peu plus. Et c'est normal quand on est en lutte pour le championnat du monde. Et ici, l'objectif était de demander à son ingénieur, Jeff, si c'était réaliste d'aller chercher peut-être un podium. Retour dans la hiérarchie avec un petit peu plus loin, Nico Hülkenberg, qui fait un bon début de Grand Prix sur sa Renault. Il a été légèrement bouté en dehors des points, mais il y a une bonne stratégie chaussée de pneus super soft. Peut-être un peu plus tard, on verra bien. Si les pneus soft à bande jaune peuvent faire la différence pour le pilote allemand. Ici, c'est Julian Palmer juste derrière son équipier qui le suit. Et on constatera que juste derrière, quand même encore une Red Bull qui est là coincée. Elles sont loin, les Red Bull, elles sont pour l'instant au 10 et 13e rang de ce Grand Prix. Mais ça va attaquer, je pense, là dans la ligne droite avec l'aide du DRS. Une Renault qui déboîte. Et du côté de Verstappen, on a été tenté de créer la troisième ligne. On s'est ravisé du côté du jeune néerlandais. On a bien fait parce que ça a failli virer au drame. On se rappelle que créer une ligne en plus n'est jamais toujours bon hein, du côté de Verstappen. On a eu par le passé pas mal d'exemples pour cela. Record du tour pour Stoffel Van Dorn à l'heure où je vous parle. Jeff, one more lap is really dangerous. I'm losing the car on almost every fast corners. Alors que Fernando Alonso est au box, laissant Van Dorn deuxième derrière Valtteri Bottas. On ne voit pas, mais ça s'est très bien passé du côté de l'Espagnol. Van Dorn se plaint, il dit qu'un tour en plus avec ces pneus-là pourrait être dangereux. Ok Jeff, I really need to come this lap because I'm losing the car on every brakes. Every brakes is a nightmare. Et Van Dorn qui dit que c'est très difficile et que chaque freinage est un cauchemar. Il faut donc rentrer au plus vite. Et attention parce que Van Dorn qui traîne un petit peu en piste, c'est pas habituel. On a plus l'habitude de voir ça du côté de chez Ferrari. On a du mal de créer un undercut. Alors regardez, ici on est avec Lewis Hamilton, le Britannique, à domicile, qui souffre devant son public. Ils étaient très nombreux à venir le supporter. C'est le meilleur représentant, évidemment, de la nation britannique aujourd'hui à Silverstone avec, c'est vrai, Julian Palmer qui a fait un très bon début de week-end. On ne va pas lui enlever au pilote britannique. Retour à bord de la voiture de Van Dorn. Ok, I'm coming at this lap. Et on s'accorde sur une rentrée au box à la fin de ce tour pour Van Dorn et Vettel qui attaque. Oh, il se touche! Et les deux voitures qui sont en tête à queue dans le droit. Est-ce que ça peut repartir? Grosse sortie du côté de Stowe. Mais que s'est-il passé? Van Dorn qui ouvre la porte et qui referme au nez et à la barbe de Sébastien Vettel. Ah, quel dommage. Le pilote allemand peut-il repartir? Eh oui, ils repartent tous les deux, mais ça nous a quand même... voilà, sorti une voiture de sécurité virtuelle en piste. Évidemment, la collision est sous investigation, mais qu'est-ce qui lui a pris à Van Dorn de refermer la porte? Et tout le monde plonge dans les box, évidemment. On voit une Red Bull, on voit que Hamilton a peut-être perdu un peu de temps. Est-ce qu'Alonso va en profiter? Il est déjà rentré. Est-ce que Van Dorn a des dégâts? Non. Et on chausse des pneus médium sur la voiture orange numéro 91. Eh bien, Van Dorn, ça n'était pas la meilleure solution. Sorry for the contact with Sebastian. I'm closing the door. I haven't seen him on my mirror, so it's 100% my fault, I assume. Sorry, guys. Okay, Jeff, I need an update on my position target now because I've lost a lot of time with that problem and the pit stop. So can I attack with more fuel? Okay, at this rate, we'll finish with a little extra fuel, so you have some in-house on a faster engine mode for a bit.
Et après avoir suivi cette discussion, eh bien on entend dans la voix de Vendôme que ça ne va pas. Il est assez triste, en tout cas il est déçu de lui-même, et ça ne l'empêche pas d'aller chercher en piste Lewis Hamilton pour la 13e place. Alors on se bat évidemment pour une position beaucoup plus haute, mais beaucoup de pilotes sont sur une stratégie différente et n'ont pas encore ravitaillé. Et avec la même composition de pneus, chose que l'on ne voyait pas par le passé, eh bien on retrouve Vendôme plus rapide. Hamilton, arrêt au box pour l'une des manors. C'est au tour d'Esteban Gutiérrez de stopper. Alors que de notre côté, je crois qu'on a une voiture arrêtée en piste. Là-bas, en tout cas, on a vu la tribune se lever d'un coup d'un seul à notre droite. Alors nous, on est voilà, juste là, regardez à droite, juste au-dessus de votre image, au-dessus des stands. Et on a vu la partie droite de la tribune se lever. Et ça n'est pas Gutiérrez, pardon, c'est Rio Arianto. Mais c'est vrai que les deux casques des manors, des pilotes manors sont assez similaires dans le jaune et au rouge. Voilà, c'était très chaud pour un des mécaniciens de l'équipe As qui va recevoir Kevin Magnussen, le Danois, pour chausser des pneus médiums. On voit Perez dans le fond de l'image qui ressort. On voit la Sauber de Marcus Ericsson. Deuxième arrêt autour du pilote canadien Lance Stroll d'observer un arrêt au box. Le voici. Alors on peut évoquer aussi un sujet qui a été une lettre qui a été ouvertement envoyée aux équipes concernant la visibilité des numéros sur le châssis. Alors c'est assez marrant, mais yeah, it's really cloudy out there. Do you think we have a chance to get some rain at the end? Low chance of rain now. If the situation changes, we'll let you know. Conditions should remain dry. We will keep you informed of any changes to the weather. Alors qu'on persiste du côté de Vendôme, est-ce qu'il va pleuvoir? Non, lui dit son ingénieur. Je poursuis ma petite explication. Donc la FIA a annoncé aux équipes que pour les prochains Grands Prix, il faudra peut-être changer quelques codes couleurs sur les numéros des voitures qui ne sont pas forcément assez visibles. Et ça touche notamment des équipes comme Force India qui ont un peu de mal avec le noir sur le rose. C'est peut-être un peu idiot, mais il va falloir peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. On retrouve Valtteri Bottas qui vient de céder une position à un pilote Ferrari. Retour un peu plus loin sur l'une des Toro Rosso en lutte également. C'est celle, je crois, de Carlos Sainz qui fait également un bon début de course. Le pilote espagnol, il est à la chasse d'une des voitures qu'il aimerait piloter l'année prochaine. On sait que le marché des transferts n'est pour l'instant pas ouvert. Il est pour l'instant très très calme. On n'a pas de grosses cotes, comme on dit, surtout ici avec les bookmakers britanniques qui aiment beaucoup parier sur ce genre de choses en fin d'année. Pour l'instant c'est très calme, et Sainz, c'est ce qu'on lui a dit. Ensuite on lui a posé la question, est-ce qu'il nous a pas dit oui j'aimerais bien rouler dans cette Red Bull, mais quand on voit finalement les performances de ma voiture cette année, je me demande si rester chez Toro Rosso ne pourrait pas m'apporter sur le futur un peu plus de crédibilité et l'assurance que je peux développer une voiture. Et il est vrai qu'avec Daniil Viat qui se remet de sa perte de contrat chez Red Bull, les deux pilotes travaillent plutôt bien ensemble et ils font bien évoluer cette voiture. Attention, on a une attaque de la part des deux Mercedes sur Vendôme. Attaque en tenaille de Lewis Hamilton qui s'empare de la deuxième position. Est-ce que Lewis est un petit peu mieux sur ses pneumatiques en termes de température, alors que l'on sait que la McLaren fonctionne mieux avec les médiums, mais il fait peut-être encore un peu frais pour avoir toute la quintessence de la gomme du côté de Vendôme. On voit également derrière revenir d'autres voitures. Il y a la deuxième Mercedes, celle de Valtteri Bottas, qui se montre alors qu'on est en caméra embarquée avec le régional de l'étape. Vendôme va peut-être revenir. Donc là, vous avez à l'image les pilotes qui sont actuellement deuxième et troisième. Et derrière, vous avez donc Bottas, la Red Bull, je crois, de Max Verstappen, si je ne dis pas de bêtises. Et juste derrière, Carlos Sainz Jr. Donc là, c'est très très chaud entre les deux. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Alors Vendôme qui a déjà été au contact avec Vettel, ça l'a un peu refroidi à la radio. On l'a entendu beaucoup plus calme que d'habitude. On le sait, assez exhaustif dans ses communications lorsqu'on a droit à ces dernières. Et ici on retrouve un Vendôme un peu plus fermé. Est-ce que le stress peut-être du championnat du monde serait en train de l'envahir? On le voit commettre énormément de fautes en essai, ce qui n'était pas le cas l'année passée non plus. Une sortie dans les trois derniers Grands Prix en essai libre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça n'empêche pas pour l'instant de garder le pied sur l'accélérateur à fond. Et les étincelles qui jaillissent du fond plat de la Mercedes du Britannique, alors que tout le monde ici est en train de serrer les poings et les jambes dans les tribunes, parce qu'il fait froid premièrement, mais surtout parce qu'on voit que le héros local est en train de se faire attaquer, alors que ça va rentrer également au box devant. On voit une voiture qui n'avait pas encore ravitaillé. Il s'agit, je pense, d'une des Renault qui n'avait pas encore observer un arrêt au stand, alors que Sainz s'est passé en cinquième place. Et Vendôme va aller chercher peut-être la troisième place. Il se touche avec
Lewis Hamilton, mais c'est passé. Et oui, on n'a pas hésité à y aller au chausse-pied. Et Vendôme récupère la deuxième place. On a donc désormais les deux McLaren en tête. Elles ont réussi à effacer le handicap qui était le leur à l'issue de la qualification. Et ça, c'est un joli tour de force. Voilà le leader de ce Grand Prix d'Angleterre en la personne de Fernando Alonso. La McLaren numéro 14 qui continue avec un bel avantage puisque derrière, ça se bat entre Hamilton, Bottas et Van Dorn. Et bien, c'est pour l'instant lui qui mène la danse juste devant l'une des Ferrari puisque Raikkonen, au jeu des arrêts au stand, s'est retrouvé deuxième avec la voiture de sécurité virtuelle. C'est bien Daniel Ricciardo et non Max Verstappen qui se bat face à Carlos Sainz. Il vient d'ailleurs de le dépasser. Est-ce que l'Espagnol peut reprendre le dessus sur la voiture sœur? Oui, dans la ligne droite des hangars, peut-être avant le freinage de Stowe. Et bien voilà, avec l'aide de l'aileron arrière mobile, hein, ce DRS, ce Drag Reduction System, pour ceux qui se posaient encore la question, et bien c'est avec cet outil qu'a pu prendre l'avantage Carlos Sainz. Retour sur l'arceau de la voiture de Stoffel Vendôme, toujours à la chasse d'un Lewis Hamilton qui l'a surpris en lui chipant la troisième place. Et j'ai évoqué le DRS, on a l'impression d'être écouté par les équipes puisque désormais on en parle à Vendôme. On lui rappelle qu'il y a un DRS, mais je pense tout à fait que le garçon est au courant. On est sur ici, hop, attention, une sortie très large du premier S de Vendôme. Assez surprenant ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on est allé chercher les marbles. Et ça, voilà, ça va tout de suite se voir avec l'écart sur Hamilton qui prend une légère avance. Passage dans le deuxième secteur bientôt. On est sur la Haas, je crois, de Romain Grosjean qui s'attaque à Rio Arianto, l'Indonésien. Et là, on doit être aux alentours, à mon avis, du début de la partie des points. Double image avec la lutte entre la Manor et la Haas. Mais devant, Vendôme qui va peut-être aller chercher l'intérieur sur Hamilton. Ce serait osé d'aller chercher là l'intérieur. Et ça ne peut pas passer, évidemment. Et ça insiste du côté de Vendôme. Est-ce qu'ils vont pouvoir compléter les enchaînements sans se toucher? Difficile de créer une contre-trajectoire. Dormagots, Beckett et Chapelle. Le DRS maintenant pour Vendôme. Ce sera suffisant, il passe à droite. Hamilton ne peut plus changer de ligne et Vendôme s'empare de la deuxième place. Et derrière Fernando Alonso, puisque Raikkonen doit encore ravitailler, je pense. On est sur Felipe Massa qui se bat lui avec Max Verstappen. On est dans les profondeurs du classement ici. L'attaque du Brésilien et ça passe. Je crois qu'on se bat pour une 11e ou 12e position. On a fait en Vendôme qu'il va chausser les pneus hard. Et attention, abandon de Max Verstappen. Qu'est-ce qui s'est passé? On revoit les images de Max Verstappen. Eh bien, qui casse son moteur. Eh bien, il était à la lutte avec la Williams. Ça n'aura pas duré. Fin de l'aventure pour Verstappen alors qu'il souffrait face à Massa. Et voilà, joli panache de fumée. Un bloc, s'il vous plaît. Assez dur pour Red Bull qui joue à domicile. Hein, Milton Keynes qui n'est pas loin. Et ça doit être une grosse désillusion. Voiture stoppée au poste numéro 25, évidemment. Okay, so basically we just racing against Hamilton for the podium, right? Et du côté de Vendôme, on semble avoir oublié les volontés peut-être de victoire et on se dit qu'on va se concentrer sur Hamilton. Alors que l'on a vu le panache de fumée, quelle malchance, c'est vraiment le mot qui va revenir, je pense, le plus cette saison pour l'équipe Red Bull. Malchance, parce que la casse moteur de Verstappen n'est vraiment pas juste. Alors que l'on a de nouveau Hamilton très pressant sur Vendôme. Va-t-il revenir? Drapeau jaune, et oui, il y a toujours la voiture de Verstappen. On ne peut pas dépasser, et ça n'empêche pas Ricciardo d'y aller. Et on est déjà sous régime de drapeau vert. Non, Ricciardo qui se ravise et qui relâche sa voiture. Bottas est devant et la voiture de Verstappen qui a été évacuée très rapidement par les commissaires ici à Silverstone. On n'a même pas eu droit à une safety car virtuelle, rendez-vous compte. Et un nouveau tour couvert pour cela également, alors que devant on voit que c'est très très chaud avec Hamilton qui est dans l'aileron arrière de la McLaren. Voilà, on revient peut-être, ce serait bien de voir ce qui se passe aussi devant, parce que certes Bottas est acculé par Ricciardo et Sainz, mais devant ça n'est pas tendre non plus entre eux. Les deux pilotes qui se battent pour la troisième et dernière marche du podium. Et ça peut être d'ailleurs tout profit, tout bénéf pour ces trois-là. Bottas, Ricciardo, que l'on retrouve un petit peu plus tard à la sortie des enchaînements
de Maggots Beckett. S'il va aller chercher Valtteri Bottas dans la ligne droite des hangars, c'est fait à l'intérieur et ça ne peut pas profiter de la situation du côté de Carlos Sainz, mais c'est passé pour l'Australien. Il n'est pas avare non plus en dépassement, alors que Van Dorn résiste toujours à l'envahisseur britannique. Bataille pour la troisième marche entre Lewis Hamilton et Stoffel Van Dorn. Et on sent qu'Hamilton avec le DRS va peut-être pouvoir récupérer cette troisième marche hein, d'ici quelques instants. Allez, laissez à gauche, laissez à droite. Van Dorn qui défend. Ah, c'est original comme stratégie en bloquant l'intérieur. Est-ce qu'Hamilton peut croiser? Non, il reste à l'extérieur à l'avantage du DRS. Peut-être il va effacer la voiture du Belge. Meilleure sortie pour le Britannique. On est sur l'aileron avant de la Mercedes. À gauche, il a l'avantage de l'intérieur et ça va passer. Et le dépassement peut être complété par Hamilton. Il est fort à gauche. Est-ce que Van Dorn est toujours là? Oui, Van Dorn qui a résisté. Superbe passe d'armes entre les deux champions. Est-ce que Van Dorn est toujours à droite? Non! Il est passé Lewis Hamilton, mais il lui aura fallu 3 virages pour trouver la solution. Belle lutte entre ces deux-là. Eh bien, si Mercedes veut offrir un contrat au pilote belge, il risque d'y avoir des points de discorde entre Lewis Hamilton et Van Dorn. Mais ça s'est plutôt bien passé, assez que respectueux le duel entre les deux. Van Dorn qui a pris vraiment un coup, là, il tourne beaucoup moins vite, 4 dixièmes au tour. D'avoir le DRS pour revenir, alors que derrière on va voir Bottas attaquer et dépasser même par Ricciardo. Alors qu'on a passé le cap de la mi-course dans ce Grand Prix, ça plonge pour Van Dorn qui va tenter peut-être un undercut sur le Britannique. Attention à la limitation de vitesse ici, 60 km/h dans la pit lane. Et elle est longue cette pit lane, même si elle est plus courte que la piste, c'est quand même une des plus longues. Et on voit que c'est rentré également pour le pilote espagnol et ça, Toro Rosso juste derrière. Ferrari s'apprête également à recevoir, je pense, Kimi Raikkonen qui était un peu plus loin dans le classement. Au tour prochain, on se prépare toujours très tôt hein, chez Ferrari, on ne prend plus rien au hasard. Arrêt parfait du côté de Van Dorn. Et non, c'est Vettel qui est au box. On vient de le voir sur notre petit écran de télémétrie. Great stop, guys. Great stop. Good work. Effectivement, il a raison de féliciter ses mécaniciens Van Dorn puisqu'ils ont fait un arrêt en 2 secondes 1, ce qui est un des records du Grand Prix, si ce n'est le pit stop le plus rapide depuis un bout de temps chez McLaren, où on fait toujours du 2 secondes 4, 2 secondes 6. Et le premier arrêt de Van Dorn ici était, je vous le rappelle quand même, à 4 secondes quasiment. Arrêt du leader. L'arrêt de l'homme de tête, Fernando Alonso, qui pour l'instant mène ce Grand Prix parfaitement. Hein. Il maîtrise son sujet. On voit derrière l'arrêt d'Hamilton et l'arrêt, semble-t-il, eh bien oui, de Ricciardo. De toute façon, il ne reste plus que lui. Attention à ne pas être gêné. Et ça ressort pour Raikkonen. Raikkonen qui va être en tête. Ah, Kimi Raikkonen qui reprend la tête de ce Grand Prix. Il va falloir qu'Alonso aille chercher le Finlandais à la force du poignet. Les pneus hard pour la McLaren. Même scénario, je pense, derrière pour Hamilton. Derrière, c'est maintenant au tour de Felipe Massa de se voir recevoir un jeu de pneus médium. Ah oui, du côté de ces pilotes-là, on était parti en médium. On a peut-être fait 2 runs en médium et 1 run en soft. Ouais, c'est ce qui se passe également pour Nico Hülkenberg. Et ça ressort aussi pour l'une des Force India, sans doute Esteban Ocon, le pilote français. Ah oui, on reconnaît le casque d'Esteban Ocon. Arrêt pour la voiture de Kevin Magnussen. Qui expliquait, tout comme Romain Grosjean, que les soucis de fiabilité du moteur Ferrari leur ont déjà coûté pas mal de points et que pour l'année prochaine on discute peut-être d'un autre moteur, alors que l'on a une voiture de safety car virtuelle puisqu'on a une voiture arrêtée au poste numéro 5 et c'est... je cherche sur mes tableaux... Ah, ce serait Kimi Raikkonen. Écoutez, je ne vois pas... Oui, oui, Fernando Alonso est le seul à être passé dans le deuxième secteur avec assez trousse, si vous me passez l'expression... Bottas, Ricciardo et Van Dorn, à mon avis, c'est Raikkonen. Oui, Raikkonen qui est arrêté. La Ferrari du Finlandais qui est stoppée en bord de piste. Alors que s'est-il passé? Il venait de ravitailler, il était devant Fernando Alonso, voiture de sécurité virtuelle, ce qui signifie que tous les pilotes doivent désormais être soumis à un delta d'écart. Et on repart sous régime de drapeau vert maintenant. Alors, on n'a pas vu du tout les images, on aimerait bien peut-être revoir un replay
de tout cela. Pour le moment, on est avec Vendôme en carimage. Vous avez la lutte avec Felipe Massa et Sergio. Non, pardon, c'est la voiture du pilote canadien, pardon, Lance Stroll. Et Vendôme qui à l'extérieur attaque la Toro Rosso derrière également. Stroll qui va se faire doubler par Sainz. Ça n'est pas passé, Stroll qui résiste, vous l'avez vu dans le droit de Sto, c'était très chaud. Et pour Vendôme, vous l'avez vu également, il est pour l'instant 5ème devant Ricciardo, mais c'est le seul à être chaussé en pneu hard. Allez, on revoit ce qui s'est passé pour Raikkonen qui est au ralenti. Et voilà Raikkonen qui s'arrête avant le deuxième virage. Le Finlandais a sans doute eu un problème de transmission, on ne voit pas comment cela pourrait être le cas autrement. Oui, pas de fumée. Pas de casse-moteur sur la Ferrari, mais sans doute une boîte de vitesse qui a rendu l'âme. On va sans doute avoir plus d'informations dès le prochain Grand Prix. Voiture de sécurité virtuelle déployée toujours. Alors, voiture arrêtée au poste numéro 5. C'est donc Raikkonen, alors que Vettel s'emparait du meilleur premier secteur après son ravitaillement. Deuxième train de pneus médium pour... Force India de Sergio Perez. On est de nouveau sous régime de drapeau vert. Je pense que l'information avait un peu de retard du côté de la FIA. Pascal Wehrlein, deuxième train. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont opté pour ce choix stratégique. Du côté de Vendôme, on a choisi les hard. I think we have an advantage on these tires with that cold condition. So if we don't have rain till the end, I think I can try to catch Hamilton, but I need more power, Jeff. Give me some solution on this car to get Hamilton, please, Jeff. Alors que Vendôme pleure à la radio pour avoir plus de puissance pour aller chercher Hamilton avec les conditions fraîches qui d'ailleurs se maintiennent, toujours pas de pluie, et bien c'est à Lance Stroll de plonger dans la voie des box. Allez, le Canadien qui va recevoir un train de pneus médium et repartir. Ce sont les derniers arrêts de ce Grand Prix. Et pour l'instant, les deux pilotes qui ont opté pour la stratégie super tendre, médium, tendre, médium, dur, c'est Bottas et surtout Vendôme qui est devant Bottas. Mais l'écart est infime puisque regardez, on a la quatrième place de Stoffel Vendôme qui est pour l'instant en jeu et juste derrière, on retrouve Bottas en pneu hard, mais on a Ricciardo avec des pneus médium frais. Est-ce que le pilote australien ne peut pas reprendre l'avantage? On va voir ça dans quelques instants. La très bonne sortie ici du dernier droit et l'attaque à l'intérieur dans Cops, ça passe. Est-ce que ça résiste? Oui, Valtteri Bottas qui garde côte à côte le pilote australien. C'est très très chaud entre ces deux-là. Et il n'y a qu'une trajectoire entre les deux enchaînements. Magnus Beckett s'échappe. DS à l'avantage du Finlandais maintenant avec le DRS, peut-il récupérer sa position perdue il y a de cela quelques tours et quelques virages, c'est fait. Ricciardo qui n'aura été devant que quelques courts instants, mais la volonté de ces pneumatiques c'est que Ricciardo a plus de performance sur une durée moins importante et qu'on risque de retrouver Bottas devant au final puisque les pneus hard durent évidemment bien plus longtemps que les pneus médium. On est dans les dernières encablures de ce Grand Prix d'Angleterre. Pour l'instant, ça tient au niveau de la météo. Ça tient également pour Fernando Alonso qui est le solide leader de ce Grand Prix. Derrière, on retrouve donc la lutte entre Bottas et Ricciardo que vous avez toujours à l'image. Mais ça a été très chaud à un certain moment devant aussi avec Hamilton. I need a full update on my situation. Is it realistic to race against Hamilton for the end? Ok, thanks, Jeff, copy. Et à 7 tours de l'arrivée, nous avons donc un point global de la situation chez Stoffel Vendôme. Vous le savez, on essaie d'interagir avec vous le plus possible et dans cette saison 2017 de Formule 1, vous allez avoir la parole désormais jusqu'à la fin de cette saison. Vous pouvez désormais voter dans les commentaires pour le pilote driver of the day et le gagnant sera annoncé au prochain Grand Prix. Comment cela va se passer? C'est très simple. Un lien sera placé en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur un Stropole, une suggestion avec les 22 pilotes sur la grille de départ.
et à vous de choisir qui aura été pour vous le pilote du jour, et il sera mentionné lors du prochain Grand Prix qui aura lieu sur le tourniquet hongrois du Hungaroring. Donc à la fin de ce Grand Prix, restez avec nous, on vous le rappellera, ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous rendre dans la description et décrire pour vous votre sentiment et surtout voter pour votre pilote préféré. Les résultats ne seront pas divulgués, vous ne pourrez pas les consulter et on vous les donnera évidemment dès la prochaine course. Petite nouveauté, on espère que ça va vous plaire, on espère que ça va vous intéresser aussi à nous donner un petit commentaire, un petit feedback sur ce qui se passe en piste et sur ce qui peut pour vous se passer dans cette deuxième moitié de saison très indécise. Rendez-vous donc dans les commentaires et en description pour retrouver ce straw poll qui vous permettra de déterminer le driver of the day. Nico Hülkenberg est à l'image et ça se passe plutôt correctement pour les Renault. On est à la lutte pour la 11e place avec l'une des Force India, le pilote allemand qui fait un Grand Prix plutôt solide avec les pneus médiums. Pour l'instant, ça risque d'aller au bout d'ailleurs sans trop de difficultés pour lui. Retour sur Van Dorn qui s'est débarrassé de Ricciardo. On fait un point sur la consommation de carburant du côté de chez McLaren et on constate surtout qu'il n'y a que 2 secondes d'écart entre Van Dorn et Hamilton. Ça risque d'être très très chaud à la fin de ce Grand Prix. Massa en lutte avec Rio Arianto, la voiture du pilote indonésien qui résiste toujours à cette manœuvre qui avait fait un début de saison absolument tonitruant avec notamment Jordan King qui a été remercié, tout comme son petit camarade chez Manor. Laissant place à Felipe Nasser et surtout à Rio Arianto avec cette voiture qui était très bonne et qui malheureusement depuis Bakou et cette incroyable première ligne de Jordan King eh bien, reprend un petit peu son rang dans le milieu du peloton. C'est ça aussi l'évolution des Formule 1 sur une saison. Retrouvons ensemble Daniel Ricciardo toujours à la chasse de la Mercedes de Valtteri Bottas. Il va déboîter à l'entrée de Copse, c'est très chaud entre ces deux-là. On a vu tout à l'heure que ça s'est touché avec Daniil Gyat avec des conséquences absolument désastreuses. Il insiste, le pilote australien. Et est-ce qu'il peut se placer? Non, il touche Valtteri Bottas. On a vu le contact entre les deux voitures et Bottas qui a dû donner un coup de volant pour éviter l'accrochage. Mais il résiste. DRS, je pense, pour l'Australien. Oui, exactement. Et ça va attaquer du côté droit. Non, ça ne passe pas. Gauche, peut-être. Non. Et le DRS qui permet à Ricciardo de rester blotti dans le diffuseur de la Mercedes, mais pas d'attaquer. Assez sympathique cette bagarre en fin d'épreuve. Il reste quelques boucles ici à Silverstone avec, on le rappelle, Fernando Alonso en tête depuis l'abandon de Kimi Raikkonen, sans doute sur souci de transmission pour la Ferrari. Nouveau passage devant le transpondeur. Et la lutte est toujours aussi intense entre ces deux-là qui ne se lâchent pas, décidément, depuis mi-course. Alors, ce sera au tour dans la Wellington Straight de Ricciardo d'avoir le DRS. Va-t-il en faire bon usage sur cette Red Bull Tag Heuer qui, je vous le disais hein, en début de retransmission, pourrait l'année prochaine être motorisée par Aston Martin qui développerait en ce moment un V6 hybride. On sait que le budget de l'équipe ProDrive et de l'équipe Aston Martin est assez important après son implication dans le WEC, notamment le championnat du monde d'endurance. Et il y a une volonté certaine depuis quelques années du groupe d'entrer en Formule 1. Et serait-ce par le rachat d'une équipe, on sait que Manor est en difficulté, on sait que Sauber est en difficulté. Il y aura des places à prendre, il y aura des écuries, je pense, à reprendre en fin d'année. On voit les difficultés aussi que rencontre Renault, malgré que c'est un constructeur. Donc il y aura, à mon avis, quelques petits changements. Mais pour l'instant, tout cela reste des rumeurs. On a également parlé d'une arrivée de Toyota qui pourrait revenir en tant que motoriste l'année prochaine en 2018. On a également parlé, ça a été très bref, mais ce sont des petites rumeurs qui arrivent également d'un retour de certains pilotes, des noms qui ont été jetés un peu de ci, de là. On a parlé de Pastor Maldonado, de Bruno Senna qui était ici il y a encore 3 ans, 4 ans et qui finalement sont partis pour d'autres horizons. Et finalement, l'argent est encore au cœur du débat. On rappelle que vous pouvez voter pour votre driver of the day dans la description et dans les commentaires avec le lien du straw poll. Le vainqueur sera annoncé sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie. Stoffel Vandoorne continue de cravacher. L'objectif est simple, aller chercher la Mercedes de Lewis Hamilton. Et il va lui rester pour cela eh bien, quelques boucles dans ce Grand Prix qui arrive à son terme. On n'aura pas eu de goutte d'eau ici, quand bien même il se met à pleuvoir maintenant à moins d'une, eh bien, d'une chute et d'une tempête incroyable. Nous n'aurons pas droit à de la pluie dans les prochaines minutes. Et ça, c'est bien pour le spectacle. On n'aura pas droit à des stratégies faussées. Certains ont peut-être d'ailleurs dû parier là-dessus. C'est sûrement pourquoi on a vu des pilotes tenter les deux runs en pneu médium. Surtout que le pneu hard perd énormément de temps. Mais un pneu hard frais peut bien fonctionner. Vous avez la preuve à l'image.
avec bien voilà le retour de Vendôme sur Hamilton. Dans le fond de l'image, on voit que c'est toujours aussi très chaud, hein, avec Bottas et Ricciardo. Fernando Alonso qui entame son avant-dernier tour, 3 secondes d'avance sur Hamilton lui-même, 2 secondes d'avance sur Stoffel Vandoorne qui tourne beaucoup plus vite qu'Hamilton. Il a une seconde quasiment au tour plus vite que le Britannique. Va-t-on sauver le doublé chez McLaren ou est-ce qu'Hamilton va résister? Ce sera la question. Oh, ça bloque les roues pour Vandoorne. Alors qu'en 1:34.108, c'est eh bien Sébastien Vettel qui s'empare du tour le plus rapide, c'est également important. Il n'y a parfois plus que ça à sauver, mais le record du tour pour Vettel est important après son accrochage avec, avec Vandoorne. Et là, Vandoorne qui est en train, à mon avis, de, à son tour, chercher le record du circuit. Bataille pour la 8e position entre Rio Arianto sur la Manor et Felipe Massa sur la Williams. Les Williams qui ont également croulé, hein, que ce soit Lance Stroll ou Felipe Massa. Ils étaient, je le rappelle, 3e et 4e sur cette grille de départ. Et malheureusement, on a encore eu l'exemple aujourd'hui que rien ne va plus en course chez Williams. Alors que l'on reste eh bien, présent sur cette lutte. Mais quelle performance en tout cas de Carlos Sainz avec la Toro Rosso qui pour moi mériterait quasiment le titre de pilote du jour. Il a bien su résister face aux grosses équipes. Mais il y a des candidats à ce titre. Hein. On pense évidemment au Renault qui était 7 et 8e sur la grille. Donc il y a des candidats, à vous de voter. Alors qu'on retrouve une nouvelle fois ces deux-là à la lutte dans la ligne droite principale qui ramène vers les paddocks. Et Massa qui va d'une bouchée avaler la monoplace de l'Indonésien. Allez, il faudrait revenir sur la lutte devant. Voilà le temps qui était entre Hamilton et Vandoorne est désormais caduc. La jonction est faite par le Belge, il va avoir le DRS dans ce dernier tour. Ça risque d'être très très chaud. Jeff, please, I need an update on my fuel consumption. Can you tell me if I can stay on mix 3 till the check red flag or we have to go back to our third position? Alors que Vandoorne demande s'il peut aller chercher le mix 3 pour les derniers chevaux qu'il reste dans ce moteur. Il fait l'extérieur dans le copse avec des pneus qui sont complètement morts. On est quasiment à 60% sur l'avant gauche. Hamilton résiste. Est-ce que le pilote belge va aller chercher le doublé pour l'équipe McLaren? Il doit patienter, il va lui rester une tentative. Ce sera sans doute à la sortie de Maggots Beckett et Chapelle et ça va le faire. Voilà, il sort derrière Lewis Hamilton. Ah, on ne va pas voir ce qui se passe malheureusement. C'est dommage alors que la victoire revient au pilote espagnol. Voilà, c'est fait. Victoire de Fernando Alonso qui va donc s'imposer ici, reprenant peut-être 7, peut-être 10 points à Vandoorne. Il faut aller voir ce qui se passe derrière sur ce Grand Prix d'Angleterre. Les pilotes qui vont sans doute nous montrer. Voilà, en décalé, ce qui s'est passé. Vandoorne qui se présente à l'intérieur et qui passe dans l'avant-dernier virage. Le doublé pour McLaren, absolument incroyable. Hamilton n'a rien pu faire, il est à mon avis à l'agonie avec ses pneumatiques, là où Vandoorne avait l'avantage des pneus hard. Et c'est terminé, Vandoorne qui va terminer une superbe deuxième place, il sauve littéralement les meubles après la 11e place en qualification. Voilà, c'est terminé, bravo Stoffel. Thanks Jeff and to everybody on the garage, sorry for the contact, that was my fault, I misjudged the corner. And congratulations to Fernando, to be honest, tough race today for us, but two cars on the podium, we can be proud of us, and we have to fight back at the next race. Thanks, guys, for this car, thanks. Et on peut oublier la mésaventure de Stoffel Vandoorne avec ce podium et ce doublé McLaren. Allez, le regard de Vandoorne en dit long, hein. Les regards sont assez fermés, mais je pense que voilà, le champagne va, à mon avis, détendre un peu l'atmosphère. Fernando Alonso, vainqueur du Grand Prix d'Angleterre, et ça lui permet de revenir sur son équipier dans la lutte au championnat du monde, qui eh bien, reste ouverte. Il y a moins d'une victoire entre les deux pilotes. On va découvrir les classements, alors que Hamilton est un petit peu en train de se dire « Mais mon Dieu, comment as-tu fait pour aller chercher cette deuxième place, mon cher Stoffel ?» Voilà les résultats de ce Grand Prix avec les points
pour Romain Grosjean sur la Haas et des points également pour l'une des Williams. Ça fait plaisir, on notera quand même les 3 abandons et la disqualification de Kimi Raikkonen sans doute sur un souci. Le classement 31 points entre les deux leaders, un peu plus d'une victoire donc. Les deux McLaren restent devant, Bottas est toujours devant Hamilton, Vettel et Raikkonen derrière. Sainz déloge la voiture d'Esteban Gutiérrez et au classement général, McLaren a désormais 100 points d'unité d'avance sur Mercedes. Et la petite surprise, c'est ce que vous aviez entendu en début de retransmission. On a entendu parler d'un contrat qui avait été soumis à Stoffel Vandoorne pour aller chez Red Bull et chez Williams. Et vous allez voir réponse du pilote belge à cette question dans un moment de tension et de climat incroyable. C'est avec McLaren qu'il va terminer sa saison. En tout cas, c'est ce qu'il vient de signer devant vos yeux. Vandoorne et McLaren, ils seront ensemble au moins jusqu'à Abu Dhabi dans cette deuxième année. On le sait, les tensions sont en train de monter avec Alonso et ça ne peut que nous donner que de plus belles bagarres en piste. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Angleterre. Je vous invite à vous rendre dans les commentaires pour voter pour votre pilote du jour, votre driver of the day. Quant à nous, on vous donne rendez-vous du côté du prochain Grand Prix. Ce sera sur le tourniquet hongrois. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite. D'ici là, bon amusement en piste et à la prochaine. Au revoir.